important, c'est de couper le corps. Et tout à l'heure, je pars tout droit à Zaroko. Après Zaroko, je vais revenir et je serai ici à partir de 20h. Nous allons démarrer un programme. Je pense que si on s'attend, on pourra bien marcher ensemble, on ne pourra pas, n'est-ce pas, se créer des problèmes. Amen. Voilà, que Dieu bénisse. Je vais prier. Seigneur, merci. Merci encore, nous voulons te rendre toute la gloire. Et nous te bénissons encore pour cette rencontre. Merci encore pour le programme du soir. Merci de conduire toutes choses, de bénir toutes choses. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Je suis convaincu que Jésus-Christ va vous bénir. Je suis convaincu qu'il va délivrer. J'ai eu tellement de témoignages sur Paris. Des gens que Jésus-Christ a puissamment guéri. Des personnes qui n'avaient pas d'emploi, qui ont eu des emplois après les programmes. Des gens qui avaient l'hernie discale que Jésus-Christ a guéri. Les gens qui avaient des problèmes de ventre que Jésus-Christ a guéri. Vous avez vu sur le témoin des reins pélagiques qui avait tout un problème de ventre. Après la prière, quand elle est rentrée à la maison, elle a vu ses menstrues. Il y a eu tellement de grands miracles sur Paris. Je pense que Dieu aussi fera ton miracle. Il faut seulement les croire. Il faut seulement croire. Il faut seulement croire, c'est tout. Tout ce que Jésus-Christ a besoin de vous, c'est de croire. Amen. Amen. Voilà, donc, comprenez-moi pour qu'on puisse se comprendre et puis on va bien gérer le programme. Parce que par moments, vous ne me comprenez pas. Vous voulez que je pense que c'est une machine, prophète, il y a une machine, quand les touches sont délivrées. Les gens. Non, le prophète, c'est un être humain. Si on vous donne la place, maintenant, en une heure, vous allez tomber. Parce que c'est des forces que j'attaque. Chacun veut essayer sur le prophète. Les démons veulent essayer. Voilà. Amen. Amen. C'est toute une grâce de Dieu. Donc souvent le corps est fatigué. Or, si je n'écoute pas le corps, j'ai veillé avant le temps. Or, j'ai envie de vivre longtemps pour attaquer la société. Amen. Voilà. Dieu m'a fabriqué à cause de la sorcellerie. Amen. Voilà. Parce que s'il n'y a pas un remède contre ça, l'Afrique va disparaître. Nous, on est là pour ça. Celui qui est fâché, il est sorcier. Amen. Il n'est pas qu'on attaque sorcellerie, il est sorcier. Amen. La sorcellerie existe. Si ça n'existait pas, ça n'est pas avoir de nom. Vous avez vu la dame parler. Amen. Amen. Elle est là, elle comme des enfants, elle est gâte. Elle est gâte. Elle fait les choses et puis elle a chassé, on ne sait plus où est la tête. Elle a donné du nom. Si elle passe ce centre, elle continue de manger. Mais il faut un centre comme ça pour délivrer les gens de la sorcellerie. Amen. Amen. C'est ça qu'il dit, nous là, nous sommes des agents de développement. Nous délivrons les gens. Et elle est comme un fils qu'elle a mis à l'école. Elle a donné as. Le monsieur, il y a un petit contrat, il travaille. Petit agent de système là. Elle va gâter ça. Elle va manger le monsieur le 2 mars. Avec son spaghetti. Avec riz. Vous voyez. Et puis le rappel à se gâter. Il faut arrêter tout ça. Il faut qu'on arrête tout ça. C'est ça qui encourage. Il faudrait que nous nous révoltons contre la sorcellerie. Amen. Et que nous arrivons à combattre ces fléaux-là. C'est pas protéger la chose. Souvent, je vois les gens en train de faire des commentaires. Quand quelqu'un prend une position, c'est-à-dire qui soutient les sorciers, il est sorcier. Les blancs, même chose, ils dans le cœur. Je suis ici, les blancs. J'ai changé avec eux. Comment ils ont raison fait? Ils m'ont encouragé. Les blancs ont combattu la sorcellerie. Ils ont combattu la sorcellerie. Que Dieu nous fortifie. Amen. Le soir, on aura un programme à 20h. Amen. Alignez-moi mon programme, c'est un programme du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Tout à l'heure, je vais partir à Zaroko. Ça fait près de 2 mois, je n'ai pas encore vu les gens de Zaroko. Je mets les saluts avant de rentrer chez moi la même. Et on se verra tout à l'heure. Si je sors, laissez-moi aller prendre ma voiture. Hein? Laissez-moi aller prendre ma voiture. Parce que je n'ai pas écouté quelqu'un. C'est quand je vais venir, on aura les séances d'écoute. C'est pour ça qu'avant de venir, si vous ne faites pas votre propre programme, faites le programme du Saint-Esprit. C'est ce que vous décidez, c'est ce que le Saint-Esprit décide. Shalom, que Dieu bénisse.